Je suis Emmanuel Brugère, j'ai 43 ans, je suis directeur général de la société Christel et je suis diplômé de l'UTBM en 1997. J'ai fait une filière génie mécanique, option traitement de surface. Christel est une société qui fabrique des articles culinaires inox haut de gamme en France à Fesches-le-Châtel et qui a un taux d'intégration qui est le plus haut de la profession, qui est vraiment spécialisé dans le culinaire et dans le haut de gamme et qui distribue sous sa propre marque dans une trentaine de pays dans le monde. Toutes les collections principales sont certifiées Origine France garantie par Veritas. Donc on a un vrai savoir-faire de fabricant français et ça reste pour moi un avantage sur la réactivité, sur la qualité des produits, sur la recherche et développement. Par contre, ça reste un frein sur l'aspect environnemental au niveau réglementaire et normatif, parce que j'estime que bien qu'il y ait des bonnes volontés en la matière, on est dans un environnement qui est très très contraignant et qui est très compliqué à gérer. Alors, j'ai commencé chez Christel pendant les vacances scolaires à souder des casseroles en ligne de fabrication. Et puis progressivement, donc au gré de mes études, j'ai fait tous les stages ouvriers que je devais faire pendant un IUT génie mécanique et productique. Ensuite, les stages à l'outillage. Ensuite, pendant les vacances scolaires, on m'a confié un ordinateur et j'ai informatisé la production. En parallèle, j'ai intégré donc l'UTBM, où j'ai engagé des études d'ingénieur en alternance. Et puis, progressivement, je suis devenu assistant recherche et développement, ingénieur, directeur technique et puis maintenant directeur général depuis 7 ans. Les études, particulièrement celles que j'ai suivies à l'UTBM, m'ont permis d'avoir une vision très large de l'entreprise puisque j'ai suivi un cursus qui était aussi bien hyper technique, dans du traitement de surface, dans des propriétés mécaniques des matériaux et autres, que de la gestion des ressources humaines ou de la comptabilité. Donc cette multidisciplinarité m'a permis d'avoir une vision très très large de l'entreprise, une vision 360 degrés, ce qui me sert encore aujourd'hui puisque aucun des aspects de l'entreprise ne m'échappe et tout m'intéresse. Alors demain, j'ai envie de dire, je vais continuer la même recette qui a fonctionné jusqu'à maintenant, c'est-à-dire vraiment tout donner et me donner à fond. Après, il faut rester très très ouvert sur l'environnement et voir comment l'environnement évolue. On ne gère pas une entreprise aujourd'hui comme on la gérait il y a quelques années en arrière, par exemple avant la crise. Et il faut être à l'affût de tous les indicateurs qui vont permettre à l'entreprise d'évoluer et donc aux dirigeants d'évoluer avec l'entreprise pour pouvoir suivre l'évolution de l'entreprise.